Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel espace, dans la salle de bain des girls à la maison, pour vous faire une vidéo de mes façons préf de comment porter le serre-tête. Le serre-tête, on l'a ramené un peu... Est-ce que j'ose dire qu'on l'a ramené à la mode? J'écoutais Gossip Girl vraiment intensément cet été. Puis, je capotais sur Blair Wilder, moi puis mon anglophone. Donc, on a décidé de ramener ça ici, dans l'eau accessoire. Fait que je montre, moi, mes façons vraiment préférées de porter le serre-tête. Alors, moi, ma façon que je me pose pas de questions, si j'ai les cheveux propres, c'est la façon que j'ai pas. C'est vraiment la façon ici... que je le mets comme ça, je le mets à l'arrière comme ça, puis moi j'aime pas mes oreilles, je vous le dis tout de suite, donc je le mets comme ça, puis je m'arrange pour cacher mes oreilles comme ça, fait que ça fait un petit look comme ça. Là, tous les looks que je vous montre, ça fait aussi beau cheveux plats que cheveux frisés, ça donne vraiment un look différent, je trouve. Donc la façon la plus simple, que le matin, si j'ai les cheveux plats, je me pose pas de questions, c'est comme ça que je le porte vraiment de même, puis je cache mes oreilles. Ensuite, il y en a beaucoup qui le porte d'une autre façon, puis toutes les façons que je vous montre, ça se porte aussi bien avec le Céleste, le Blair, le Liana, même le Emma avec les petites perles, on a le Rory aussi, le dernier qu'on a sorti en cuir, ils font toute la job, là, je vous le dis, là, ils font tout aussi bien, je dirais lui qui a plus de volume, qui est comme plus, comment je pourrais dire ça, pas opposant, en tout cas, bref, qui paraît plus, c'est vraiment le Céleste, là. Regardez, je vais vous montrer le fait que le tissu soit encore du roi, que le nœud soit plus gros, c'est comme plus... je trouve que ça fait un accessoire plus grandiose. Et même chose pour le aimant. Ces perles font le même effet, là. Il vient vraiment apporter, là, je trouve, une touche finale à vos looks. Donc ça, c'est vraiment la façon numéro 1. La façon que j'ai vu le plus quand on les a mis en vente, c'est comme ça ici. Les gens laissent comme Blair. Blair, c'est le même qu'elle porte. La façon écolière. Ah, comme ça ici. Vraiment, regardez, comme ça, c'est sûr que tu vois pas tes oreilles. Ça donne... Attends, je vais juste l'arranger ici. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup qui le portent comme ça. Moi, ce qui m'énervait de cette façon, c'est que j'avais les cheveux d'en face. Si je mets un serre-tête, c'est pour me dégager le visage, mais j'aimais beaucoup le look que ça faisait. Donc, je viens prendre mes cheveux ici, puis je vais venir comme juste les remettre en dessous de mon oreille, comme ça ici. Fait que ça garde le look cheveux avant la passe, mais t'as pas les cheveux d'en face. Donc ça, c'est la façon, je vous dirais, la plus populaire que nos clientes lui portent. La façon, ma façon que je porte, je vous dirais, le plus souvent quand j'ai les cheveux sales, c'est inévitable. Comment je fais? C'est que je me mets une passe comme ça, la façon la plus populaire, comme je vous disais. Là, j'ai les cheveux propres. Imaginez que j'ai les cheveux sales et je me fais un petit chignon de même, là. Je me ramasse les cheveux comme ça. Ici, je cache mes oreilles comme d'habitude. Puis, je finis ça avec un shampoing sec sur le top pour être sûr que mes cheveux ne paraissent pas trop gras. Fait que ça aussi, c'est vraiment une façon que je me suis fait dire que les gens aimaient beaucoup. Ça m'a pris 0,2 secondes à faire. Ça vient apporter quand même une petite touche à ton look. Puis, ça paraît pas que tes cheveux sales. Fait que ça, c'est vraiment ma façon bref. Sinon, tout ce qui est coiffure en hauteur. Tu sais, exemple que vous faites, je sais pas moi, une toque là. Ou... Je vais aller avec une couette là. Une couette comme ça. Vous pouvez l'utiliser. Il y en a plein. Je vois plein de clientes qui le font. Mais moi, comme je vous dis, je ne traite pas sur mes oreilles. Mais tu sais, sur moi, c'est pas hyper beau parce que je trouve que j'ai des grandes oreilles un peu décollées. Je n'ouvrirai pas de cachette, mais ça fait super beau sur plein de nos clientes. Fait qu'il y a aussi cette façon-là de porter. Je vous dirais que c'est vraiment les façons là, les plus populaires. Même là, vous pouvez vous faire. Je vais prendre un autre sorte de. Par exemple, que je prends la Rory ici. Puis, vous pouvez, tu sais, changer votre méthode. Vous pouvez faire votre toque sur le côté aussi, là. Comme ça, on aime ça avoir des astuces quand on a les cheveux sales, hein? Parce que c'est pas rare. Fait que vous pouvez faire votre couette comme ça aussi, sur le côté. Tous les looks, je trouve, pour rester. Tout le monde devrait avoir des serre-têtes dans la salle de bain, dans nos accessoires. Sinon, vous pouvez faire une petite tresse. J'avais vu ça chez une de mes...
dans les photos d'une de mes clientes, tu fais une petite tresse lousse ici. Nos choux aussi là sont vraiment... je vous ferai une autre vidéo une autre fois pour les peigner avec les choux. Mais regardez ça, un autre look super beau avec la passe. Comme je vous disais, Alex, elle, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que souvent, elle se fait une demi-couette, puis elle met sa retête comme ça. Fait que c'est une autre façon, elle a les cheveux courts, elle dit que ça l'apporte encore plus, ça fait encore plus beau avec les cheveux courts. Moi, je ne l'ai pas essayé. Fait que je vous laisse tout essayer ça. Écrivez-nous en commentaire encore comme les autres fois, vous, vos façons de le mettre, c'est quoi votre serre-tête préférée? On est dû pour faire un restock de serre-tête, donc mettez-nous en commentaire, vous, votre serre-tête préférée, lequel que vous n'avez pas eu la chance de mettre la main dessus. Puis nous, on se voit mercredi prochain!